Jésus, Père, nous sommes rassemblés devant toi maintenant. Tu nous as promis que dans les derniers jours, tu répandras. Tu l'as appelé déversement. Un déversement. Alors ce soir, au nom de ce nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, déverse ton pouvoir. Déverse ton pouvoir. Déverse ton pouvoir. Déverse ton pouvoir. Répands-le, répands-le, répands ton pouvoir. Répands-le, 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 répands ton pouvoir. Au nom de Jésus. Get yourself ready now. Prépare-toi à nouveau. Get yourself ready. To connect to that cloud of power. That is so. Connecter à ce type de pouvoir. On top of this space. So what? Okay, we buy. Can I hear the sisters say who are ready to receive power? And you will tell she don't like bad bad and be to shout. Puis entendre les sœurs à la recherche de ce pouvoir, crier ceci avec violence. Puissance de la Pentecôte. Overshadow my life. Ouvre ma vie. Au nom de Jésus. Somebody is breaking through. Quelqu'un obtient des percées. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. I see some people. Je vois certaines personnes, l'ennemi ne veut pas qu'elle prie cette prière parce qu'ils seront troublés si tu obtiens ce pouvoir. Étends ta main droite. Père, que la puissance de Pentecôte, le pouvoir de guérison, le pouvoir de délivrance descend sur ses mains au nom de Jésus. Que toute oppression ou toute maladie qui s'est installée dans n'importe quelle partie de ton corps par erreur soit défiée quand tu frapperas l'endroit. Prépare-toi maintenant. Et frappe n'importe où tu as mal. Partie qui est en train de défier ta vie. Frappe l'endroit 41 fois. En criant, retour à l'envoyeur. Allons-y. Dis-toi. Fais-le correctement. Amen. Contrôle ton corps maintenant. Tu vas faire tout ce que tu ne pouvais pas faire avant de venir ici. Contrôle bien ton corps. Ce problème de longue durée a disparu. Maintenant là où tu es, nous sommes enfin prêts pour la prière. Let your voice be the loudest. Que ta voix retentisse. Pentecostal. Pouvoir de Pentecôte. Pentecostal. Pouvoir de Pentecôte. I am available. Je suis disponible. Ouvre ma vie. Can I hear you shouting that? Puis-je t'entendre crier cela? Et ta voix retentisse plus que cela. Pouvoir de Pentecôte, couvre ma vie. Que ta voix retentisse plus que ça. Au nom de Jésus.
The power is available. Le pouvoir est disponible. Ribosatele Kayama Bakatende Kayabo Shenderaba Bakate Kapola Kayama Shenderaboko Sete Ribosaponde Katende Leketende Yabo Shenderaboko Pola Kayaba Ribosatende Kayabo Shenta. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelque chose est sur le point de se passer. Et cela changera ta vie pour toujours. Comme tu pries cette prière. Saint-Esprit. Turn me to fire. Transforme-moi en feu. Au nom de Jésus. Jésus. Holy Ghost. Saint-Esprit. Turn me to fire. Turn me to fire. Transforme-moi en feu. Transforme-moi en feu. Transforme-moi en feu. There's a fire, there's a fire, there's a fire. Voilà le feu, voilà le feu, voilà le feu. Turn me to fire. Transforme-moi en feu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Yes. Oh yes. Oh yes. That's the power. Agbara ló ni. Flowing. Ocean. Flowing. Ocean. Flowing. Ocean. Flowing. Ocean. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les anges qui renissent le malheur. Combattez pour moi maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Oui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Désolé pour certaines personnes qui ne sont pas en train de prier. Ne crains rien de tout ce qui t'a amené ici. Connecte-toi au Dieu d'Élie. Pour voir. Qui se tiennent à la frontière de mes percées.
rendez-vous. Dispersez-vous au nom de Jésus. Disperse-les. Aha, something is happening. Quelque chose se passe. Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cette prière particulière, perd ton tempérament dans le Saint-Esprit. Combat qui m'ont amené ici. Retournez à l'envoyeur. Something is happening. Quelque chose se passe. In Jesus name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Any bondage, toute servitude of the night, de la nuit upon my life, sur ma vie. Can you shout it loud? Peux-tu le crier haut et fort? What are you waiting for? Qu'attends-tu? Meurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The bondage of the night. La servitude de la nuit. Jesus. Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oh Dieu de Paul et de Silas, délivre-moi de toute prison. Deliver me from every prison. Somebody is making it true. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. I see a woman here. Il y a une femme ici. Unfortunately, malheureusement, your mother-in-law, ta belle-mère et ta propre mère, elles t'ont introduite dans une marmite et elles te préparent dedans, même quand tu parles. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te retrouver là où tu es maintenant. Non. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Non. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, sors de cette marmite. Sors. Au nom de Jésus. Oui, tu sors. Battles that entered into my life suddenly. Combats qui sont entrés dans ma vie soudainement. Come out. Sortez. Suddenly now. Soudainement maintenant. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Combats qui sont entrés dans ma vie soudainement. Sortez soudainement au nom de Jésus. Jésus. Please don't let anybody's voice be louder than yours in this particular prayer. Ne laisse la voix de personne dépasser la tienne dans cette prière particulière. Pouvoir of any strange house I lived in. De toute maison étrange où j'ai vécu. S'il y a
Can you shout it loud? Peux-tu crier cela haut et fort? Can you shout it again? Peux-tu crier cela à nouveau? Upon my life. Sur ma vie. Yeah! Meurs. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cette première prière va adresser beaucoup de choses. Ce serait mieux que ta voix soit la plus retentissante ici. Voix provenant de mon fondement. Cry against my future. Qui crie contre mon futur? Can you repeat that and let me hear you? Répète ce point de prière que je t'entende. Your voice is not angry enough. Ta voix n'est pas assez mélancolique. Your voice is still not angry enough. There's a serpent to my foundation. Mais l'on dit serpent de mon fondement. Biting my future. Qui mord mon futur. Can you shout the two prayers now? Peux-tu crier ces deux prières haut et fort? Can you repeat the prayers again? Je vais répéter la prière encore. Mourez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Là, c'est mieux. Any name in my foundation. Tout nom dans mon fondement. Troubling my destiny. Qui trouble mon destin. Can you shout it loud? Peux-tu crier cela haut et fort? Shout it again. Crie-le encore. Meurs. Kill that name. Tue ce nom. Quelqu'un est en train de percer avec ses prières. Au nom de Jésus, nous avons prié.